toujours très important, on ne se laisse pas aller. Un petit brin de ménage, ça ne fait pas de mal. Ouh, popo. Bah tiens, regardons voir. Il y en a du monde ce matin. Et deux, et trois. Ça part sur le grill, impeccable. Et bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour la suite des aventures sur Stranded Deep. Marie-Madeleine, au rapport. En voilà une bonne idée. Un hélicoptère et de l'essence. Alors pour de l'essence, bien sûr, il nous faut des patates qu'on va récolter maintenant. Alors attendez, je me posais une question. Est-ce que les patates continuent à pousser même quand je les récolte comme ça? Ou je dois en replanter? Je pense pas vu qu'il y a encore des plantes là. Quoi qu'il en soit, on va mettre ça à l'intérieur, c'est impeccable. Alors j'ai eu beaucoup d'astuces, beaucoup de commentaires sur la vidéo précédente. Notamment, on m'a dit que je n'aurais pas assez de culture pour faire de l'essence. Pas de problème, on va en faire de suite. Ouh, aujourd'hui on a prévu beaucoup de choses. Va falloir se bouger un petit peu si on veut le trouver cet avion. D'ailleurs, on m'a laissé des commentaires à ce sujet. Alors, il n'y a personne qui m'a dit où il se situait, mais on m'a dit à peu près, peut-être dans un trou entre des îles, ça m'aide beaucoup. Non, parce qu'il y a un trou entre toutes les îles, en fait. Ah, c'est pas vrai, la pluie, il n'y a que de ça, quoi. Allez, hop, donne-moi ça, mon marteau qui se trouve ici, c'est impeccable. On va refaire 2-3 cultures. Alors, attendez, hop, ça, on va bouger ça. Ouh, il y a une tempête qui se prépare. Très intéressant. Une culture, c'est impeccable, on va en mettre une là. Est-ce qu'on peut en faire une autre? Moi, je pense que oui, bien entendu. On va en mettre une autre ici. Est-ce qu'on peut en faire encore une autre? Bien sûr. On va en mettre une ici. C'est impeccable. Est-ce qu'on peut en faire une autre? Ah, non, attendez. J'ai peut-être encore des trucs, là. Non, j'ai pas assez. Ah, mais attendez, je peux en faire avec des planches, bien sûr. Même avec des bâtons, de la corde. Peut-être qu'il y en aura assez, là. Hein. En voilà une. En voilà deux. Trois. C'est impeccable. Il m'en reste même une. Un, deux, trois, quatre, cinq. Eh ben, écoutez, je pense que c'est pas mal, ça. Hein. De l'eau. Très important. Important. Mon vieux, c'est tellement le merdier là-dedans. Ok, je prends ma petite bouteille. Et bien sûr, je compte sur vous les gars, les filles. Vous me faites péter le petit like sur la vidéo. Ça, c'est très important. Et puis, vous faites un vœu après. Peut-être qu'il va se réaliser en 2021. Inch'Allah, on sait pas. Remplis-moi la gourdasse. Impeccable. Ah ouais, c'est vrai que ça en utilise de l'eau. Pouh, c'est un truc de fou. Attends, j'ai déjà plus d'eau là. On est peut-être pas obligé de les remplir à fond. Hein. Ici, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Ici, un petit peu d'eau. Ah, peut-être que je les arrose dans le vent vu que ça pleut. Je ne sais pas du tout. Écoutez, quoi qu'il en soit, on a des petites plantations. Je pense qu'on va écouter Marie-Madeleine. On va se faire l'hélicoptère. Ça, c'est bien vu. Alors, attendez. On va prendre un truc de chaque. Hein. Voilà. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Ça, c'est mes torches. Mon Dieu, mais la tempête, c'est un truc de ouf. Hein. Elle va pas se calmer, quoi. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire l'hélicoptère? Construction. Véhicule. Il y a plus de place, les mecs. C'est un truc de fou. Il y a vraiment plus de place, quoi. Où est-ce que je vais le foutre, mon hélicoptère? Ici. C'est parfait. Ah, bah voilà. Hop, ça c'est impeccable. Il nous manque des pièces, alors attendez, bougez pas. Là où déjà, on va la mettre ici. Qu'est-ce qui nous manque? Peut-être ça, ça. Bah écoutez, on va prendre un petit peu de tout, hein. Voilà, hop. Le siège. Oh là là, mais regardez-moi ça, c'est tellement magnifique, quoi. Où est-ce qu'il va le moteur? À l'arrière? Certainement. Et il nous manque une batterie pour faire cette pièce. J'ai ce qu'il faut. Une batterie. Vous voyez que je fais bien de tout ramasser à chaque fois. Alors certes, ça fait du merdier, mais au moins, on a tout ce qu'il faut, mon gars. Mais c'est terrible. Ah bah oui, forcément, on n'a pas d'essence. Bien vu, bien vu. Alors, attendez. Ah, le soleil revient. Ça, ça fait plaisir. Ça, c'est un temps de survivaliste. Un vrai temps de marin. Allume-moi ça, mon gars. Voilà, c'est parfait. Il y a des patates à l'intérieur. Ça va faire de l'essence. Je pense qu'on va faire à manger. Est-ce que je peux les dépecer à la machette? Vous croyez? Non, faut le couteau obligatoirement. Bon, c'est pas grave. Je vais aller le chercher dans le radeau. Aujourd'hui, mission trouver l'avion. Ce serait vraiment pas mal, franchement. Disons que c'est un des objectifs principaux. Il est où mon couteau? J'avais un couteau, c'est certain. Hein, mais alors où? Ça reste un grand mystère. Hein. Il n'est pas là. Putain, j'ai tellement de bordel, il est là. Impeccable. Ouh, et regardez, mais il y a encore du monde à récupérer ici. Mais c'est parfait, viens ici. Allez, on dépece, c'est parti. Marie-Madeleine, on va se faire de la mouette au petit-déj. Ça te tente? Elle est toujours partante. Elle adore ça, c'est son plat préféré. Et je vous remercie, bien entendu, encore une fois, pour tous vos commentaires, tous vos astuces, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à avancer. On en voit le bout tout doucement. Alors, on n'est pas arrivé à la fin du jeu, hein, loin de là, apparemment. Non, parce que moi, je pensais qu'une fois qu'on avait récupéré les trois pièces de l'avion, c'était fini. Mais en fait, non, apparemment, il y a des objectifs à remplir par la suite et tout. Bref, faudra voir tout ça. On va accrocher, bien entendu, ici, c'est parfait. On va allumer ceci comme cela et que la lumière soit magnifique. Terrible. Eh bien, mes chers enfants, pour la recette du jour, ce sera mouette tartinée avec de l'ail et fines herbes sur son lit suspendu de pommes de terre. Avouez que j'imite très bien Maïté. Je pense qu'on va vraiment faire le plein de l'hélico avant de partir, hein, parce qu'à mon avis, ce sera pas suffisant. Oh, bah ma vieille, reste avec nous, saloperie, va. Eh, c'est barré. Ça distille, ça distille, ça distille. Notre hélicoptère, où est-ce que nous allons le mettre? Putain, mon gars, le truc, c'est un surhomme. Bah, tu me diras, je bouge bien le radeau d'une main, donc pourquoi pas l'hélicoptère? On va le mettre ici.
Il nous gênera pas. Ouh, mais regardez-moi ça. Ça se prend encore dans les filets. On peut pas en mettre un petit peu... Bon, ok, pour le moment, on va la mettre ici, juste à côté. Voyons voir. Le marteau. Alors attends, on va faire un petit peu de tri, bien sûr. On va ranger un petit peu ce qui nous sert pas pour le moment. On est très organisé, hein. Donc nous, je pense qu'aujourd'hui... Déjà, on va sortir la boussole. Oh, c'est fumé, déjà. Oh ouais, c'est fumé, excellent. Je pense que nous, on va se diriger... Donc la dernière fois, on était parti vers le nord-est pour aller chercher l'anguille, souvenez-vous. Nous, faudrait plus qu'on se dirige vers le sud-est. On n'a pas trop exploré dans ce coin-là. Donc sud, sud-est à peu près. Ce serait peut-être plus là-bas qu'on serait susceptible de trouver l'avion. Éventuellement, à voir. Hop, voilà, on met ça ici. Et on en met un petit... Ouh, bah c'est cuit, tiens. Je prends et je la mets ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on est pas mal pour le moment. Attendez, parce qu'il y a un truc que je suis en train de voir, là. C'est quand je vais partir en expédition sur l'hélico. Où est-ce que je vais mettre Marie-Madeleine? On va faire un test. On va voir si on peut pas l'accrocher quelque part, éventuellement. Ah, va falloir t'accrocher, ma belle, parce que là, ça risque de secouer deux secondes, je pense, hein. Admettons, est-ce que tu calerais sur les hélices? Je pense, hein. Il y a moyen qu'on l'emmène avec nous, quand même. Tu penses que tu peux t'accrocher durant le voyage? Non, c'est assez risqué quand même. Allez, t'inquiète pas, Marie-Madeleine. En voiture, c'est moi qui pilote. Voilà, on va te mettre là pour le moment. Aux commandes de l'hélico. Là, ouh, ben voilà. Voilà, voilà, voilà. Attendez, on économise le bois. C'est pas parce qu'on en a à revendre qu'il faut tout couler d'un coup. En revanche, ce que je vous propose de faire, c'est de se faire des petites branches. On va se faire un petit mur, vous allez voir. Je vous dis pas ce qu'on va faire, mais ça va être magnifique. Voilà, on va ramasser tout ça. Voilà, on va en mettre un là. C'est magnifique, il ne se voit pas. Ah bah oui, c'est normal, faut mettre des coups de marteau. Voilà, il se voit un peu mieux déjà, non? On va en faire un autre. Oh, vous avez très certainement une petite idée de ce que je suis en train de construire? Ou pas? Voilà, regardez-moi ça, comment c'est joli. Oh, il passe pas à côté? Oh non, 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 dur, dur, dur. C'est pas ce que je voulais faire. Regardez s'il va pas être magnifique celui-là. Attendez les mecs, moi en fait ce que je voulais faire c'était accrocher mon trophée tout simplement, tu vois. Enfin mes trophées. Je ne peux pas construire ici, quelque chose gêne. Quoi donc? Je ne peux pas accrocher mes trophées? Bon c'est pas grave, écoutez. Voilà, voilà. Et voilà, ce sera donc ici notre lieu de recueillement. Regardez, c'est magnifique quoi. C'est dommage que je puisse pas mettre un petit mur à côté là. Mais c'est pas grave, on va le mettre là. Ça fera un petit abri pour les tempêtes. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Ici, on en est où? Impeccable. Ici, ça pousse, pas du tout. Mais peut-être que si on allait dormir un petit peu, ça pousserait plus vite. Faut voir, à demain. Eh bien, quelle belle journée ensoleillée qui nous attend. Alors, bon, 4h40 du matin, pas forcément tout de suite, mais ça va venir. Le ciel est clair, pas trop de nuages, les étoiles sont belles. Ça annonce une belle journée, tout ça. Voyons voir, ça a poussé? Pas du tout. Bon, ça viendra, ça viendra. Faut être patient. Par contre, ce qu'on peut faire en attendant, c'est remplir ce doux jerrycan d'essence. Voilà, bon, il est rempli, ouais, plus ou moins, quoi. Le bout de viande, on va le mettre ici. Alors, les trucs fumés, hein, ça ne se périme pas, bien entendu. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut faire le plein? Bon, on a la moitié d'un plein, hein. Tu prends pas trop de place. Allez, je te mets dans l'inventaire. Le marteau, on va le laisser là, par contre. Alors, où est-ce que j'en suis? On a soif. On a soif, on a soif. On va boire un petit coup. Voilà, on va se mettre bien avant de partir. On va boire encore un petit coup. Ouais, ça, c'est pas mal. On va manger un petit bout. Ok. Ouh, yes! On est à fond. Bon, eh bien, écoutez, en route, hein. Il est 5h30 du matin. Ça va pas tarder à faire jour. Alors, attendez, il faut que je prenne ma boussole. Nous, on va aller vers le sud-est, je pense. Donc, par ici. Voilà, et puis bah faut trouver l'île avec l'avion. Attention mesdames et messieurs, c'est un grand moment. Oh putain, what? Attends. Oh gros co... Ce truc de fou. Attends, je vais sauvegarder avant de partir. Je sens que je vais me cracher. Déjà je sais même pas comment qu'on atterrit. Attendez, bougez pas, je vais atterrir sur le radeau. Comment qu'on atterrit gros? Comment qu'on atterrit? Maintenez-le pour arrêter le moteur. Ah! C'était pas comme ça. Bon, au moins, on a atterri. Attendez, bougez pas. Je vais me faire un bandage. Je dois avoir ça quelque part dans mon inventaire. Est-ce que j'ai pas un truc pour me faire un bandage, une attelle? Je ne sais pas, moi, voyez. Et ça ne dit pas ce que ça fait, quoi, tu vois. Ah, une attelle. On va se faire une attelle. Deux cordes et deux bâtons. Ah ouais, parce que laisse tomber mon gars, sinon je suis pas arrivé comme ça, hein. Bon, du coup, putain, il nage même plus le bordel. Mince. Oh, ça va. Ah oui, c'est à chaque fois que je saute, il aime pas ça. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux. On est aventurier ou on ne l'est pas, hein. Attends, j'ai pas un bâton qui est déjà coupé. Oh là là, cette misère. Ok. Voilà.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé la telle? Oh là là, mais c'est terrible! Voilà, on peut courir! Faut que j'apprenne vraiment à le conduire, ce machin. Hein. Voilà, je vais le mettre là. Déjà, on va sauvegarder. Très important. Parce que je sens qu'il va m'arriver une bricole. Regardez ça, le truc, il... Attends. Donc, ok. Comment on fait pour descendre? Ah, ok, d'accord. C'est la touche contrôle pour descendre. Ok, et espace pour monter. Allez, c'est parti! Est-ce que je peux... Ah, yes, il y a déjà la boussole sur le truc. Donc, nous, on va aller vers le sud... Est, hein, je pense, c'est par ici. Putain, il va pas vite, hein. Oh, on n'est pas arrivé, hein. On va monter un petit peu. Il faut qu'on trouve cet avion. Hein. On va prendre un peu d'altitude. Je la sens pas, cette affaire. C'est pas grave, on a sauvegardé. Oh, qu'est-ce que j'ai touché? J'ai touché une mouette ou quoi? Bah déjà, moi, j'aurais pas confiance à voler avec ça, mais bon. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein. Putain, mais il avance pas, quoi. Il y a moyen d'avoir un turbo? Non, parce que je vous le dis, j'aurais jamais assez d'essence pour revenir, en vrai. Eh hey, mais j'aurai jamais assez d'essence, mon gars. Jamais. Non, 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 non. On va revenir, on va revenir. Attendez, parce que sinon je sens que ça va merder. Déjà, je sais même pas si j'ai assez d'essence pour rentrer, là. Mais il consomme, le bordel. Laisse tomber, c'est un gouffre. Attends, il tète l'hélico, mon gars. J'aurai jamais assez d'essence pour rentrer, quoi. Marie-Madeleine, tiens bon, t'inquiète. On va y arriver. Ah, je suis bientôt en réserve. Non mais attends, vous avez vu ce que j'ai mis comme essence dans l'hélicoptère? Ça m'a permis de faire une île aller-retour, quoi. Comment voulez-vous que je trouve l'avion comme ça? Bah laisse tomber, on va y aller en radeau, hein. Oh, j'aurais pas assez d'essence, mon gars. Je suis sur la réserve. Oh, ça va être tendu. Marie-Madeleine, accroche-toi. Ça risque de secouer un peu. J'aurais pas assez d'essence. Je vais m'écraser, les mecs. J'ai pas assez d'essence. C'est bon, c'est bon. Oh putain, j'ai plus d'essence. Merde. Ça va, tranquille. C'est bon, c'est bon, c'est bon, on est arrivé. Eh, c'était limite, hein. Eh, mais voilà comment qui tête l'hélico, mon gars. Non, mais c'est un goinfre, quoi. Voilà, on va le poser ici. Mais comment je vais faire, là? Bon, déjà, on va sauvegarder. Alors, comment trouver l'avion là-dedans? Donc, ça, c'est mon île. Donc, ça, c'est les boss. Ça, c'est fait. Moi, je pense qu'il peut être que quelque part par ici, hein. Vu que là, j'ai déjà... j'ai pas été jusqu'ici, je ne sais pas. Peut-être ici, il y a un trou, quoi. Ici aussi, il y a un trou. Non, non, moi, je pense qu'il est quelque part par ici, là. Mais où? Est-ce que vous savez me dire où est-ce qu'il est, cet avion? Exemple, vous me faites une capture d'écran, vous me l'envoyez sur Facebook ou sur Twitter. Comme ça, je vois où est-ce qu'il est, quoi. Parce que là, je le trouverai jamais, mon gars. C'est pas possible. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il va nous falloir de l'essence. Beaucoup d'essence. Ça, ça va être très important. C'est parti, hein. Alors, ok, c'est un petit peu moins classe que les trucs en tôle, mais je pense que ça peut faire l'affaire. De toute façon, faut pas qu'on fasse les fines bouches. Voilà, on va en mettre un là, un autre ici. Ah bah, pff, laisse tomber, mon gars. Là, va y en avoir de l'essence, hein. Bon, par contre, j'ai plus qu'une patate. Ça, c'est un petit peu con. Ça commence à être le bordel à la maison, là. On voit plus très clair là-dedans, hein. Normalement, voilà, j'avais posé mon filet à poisson. Qu'est-ce que ça dit? Maintenir pour récupérer. Hop, impeccable, un petit poisson, c'est magnifique. Allez, on va le reposer. Eh ben, mon vieux, Gotaga n'a qu'à bien se tenir. Alors, attends. Tiens, hop, pose ça là. C'est impeccable. Il m'en manque plus qu'un de l'autre côté et je ferai des pleins phares. À part améliorer le radeau, je peux pas aller beaucoup plus loin, franchement, pour le moment, là. Tant que je ne sais pas où est l'avion, je peux pas aller m'aventurer comme ça en pleine mer, vous comprenez bien. Je vais dériver pendant des heures. Que dis-je, des jours? Là, sincèrement, j'ai besoin de votre aide. Il faut que vous preniez des captures d'écran au moment où j'ai montré la map. Et puis, par exemple, vous mettez une croix à l'emplacement de l'avion, vous voyez? Alors, je fais une petite dédicace également à mon pote Dead by OCB qui joue à Stranded Deep. La dernière fois, il me l'a montré, l'avion, sur son live. Mais franchement, je sais plus. Bah, disons qu'on n'était pas au même endroit, quoi, vous voyez? Les spawns, ils sont aléatoires dans Stranded Deep. On a peut-être pas forcément la même map ou quoi. En tout cas, on a peut-être la même map, mais pas forcément les mêmes spawn deals. Faudra que je vide un peu tous les coffres que j'ai sur mon radeau là, histoire que que je ramène d'autres trucs des îles. Bon, et bien écoutez, j'aurais pas rempli l'objectif du jour qui est de trouver l'avion. Honnêtement, je le pensais plus près que ça. Je pensais que j'allais être plus près que ça aussi avec mon hélicoptère. Mais faut dire que l'hélico il consomme, quoi, hein. La prochaine fois, de toute façon, c'est sûr, on aura plus d'essence. Voilà, je vais faire pousser un petit peu des patates ici, là, histoire qu'on se mette bien. En tout cas, j'attends vos commentaires également, le petit pouce bleu, ce serait cool. Pourquoi pas un petit partage de la vidéo si elle vous a plu. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde!